wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors comme tous les lundis, désormais je vous propose deux vidéos concernant le jeu GTA 6. Alors je sais très bien que Rockstar n'a officialisé aucune information à ce sujet là, c'est pour cela que je vous en fais part de deux vidéos par semaine, histoire de mettre un petit peu au clair les dernières rumeurs, d'en parler avec vous et mettre des suppositions, des hypothèses et même des suggestions. Comme ça, ça permet à la communauté de voir un peu les avis de chacun et ça leur permet aussi de réagir. Et pour cet épisode, nous allons voir les 5 raisons pour lesquelles le jeu pourrait se dérouler en France. Alors c'est parti. Alors que Rockstar a déjà confirmé être en train de travailler sur GTA 6, je vous ai fait une vidéo bien explicative sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. On se demande tous quelle ville va servir de support pour ce prochain opus très attendu, et ça c'est vrai. Plusieurs villes ont déjà été évoquées, je vous ai fait un petit top 5 sur le sujet la semaine dernière, mais alors que la licence a déjà utilisé des villes comme Liberty City et San Andreas à plusieurs reprises, il serait bienvenu de changer de pays et de voir débarquer la franchise en Europe et pourquoi pas en France. C'est vrai que depuis que GTA est sorti, on est tout le temps resté aux États-Unis. Ça serait vraiment très très bien de changer un petit peu d'univers, pourquoi pas voir la franchise arriver en Europe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi l'idée me plaît vraiment. Après, c'est vrai que Rockstar est quand même basé beaucoup aux États-Unis, alors je doute que ce soit possible, mais pourquoi pas. Alors on commence tout de suite avec la 5e position, la France trop peu exploitée. Et c'est vrai, très peu de jeux utilisent Paris comme lieu principal et encore moins un Paris très moderne. On a pu voir des jeux comme Assassin's Creed se dérouler à Paris, mais très très peu de jeux se déroulent à Paris et ça c'est vraiment dommage. Rockstar serait vraiment le développeur parfait pour animer la ville de Paris dans un GTA. Imaginez-vous conduire une voiture en mode YOLO, je sais pas trop quoi, sous la tour Eiffel, ça pourrait vraiment être un truc de dingue. La capitale française regorge d'histoire, elle constitue un background idéal pour Rockstar qui adore placer de nombreuses références dans ses jeux. C'est vrai, hein, depuis que GTA V est sorti, nous avons des tonnes d'easter eggs qui sont sur le jeu, que ce soit des easter eggs créés par Rockstar ou des easter eggs qui reflètent la vie réelle, il y en a des tonnes. Alors imaginez un petit peu les easter eggs qu'on pourrait trouver à Paris, ça pourrait être un truc de dingue. Ça pourrait être des easter eggs sur la première guerre, la seconde guerre mondiale, ça peut être des easter eggs sur tout et n'importe quoi. En tout cas, l'idée est vraiment très intéressante. Troisième raison, les paysages français. La France comporte des paysages très différents de l'Amérique, moins urbaine, elle composerait un terrain de jeu idéal et très rafraîchissant. C'est vrai, c'est pas très faux dans le sens où on regarde Paris quand on part de la tour Eiffel. Si on fait des cercles vers la banlieue, on peut remarquer que Paris c'est quand même très concentré, c'est très très dense, les bâtiments sont vraiment très très resserrés, le trafic est vraiment très très dense et plus on s'éloigne, plus on va vers la banlieue, plus c'est ouvert, plus on va vers la campagne, et ça nous permettrait d'avoir des univers très différents, très proches des uns des autres. C'est à dire qu'on partirait de la capitale dans un endroit très très dense, on prendrait le périphérique et on se retrouverait dans un endroit plus urbain et plus campagnard, et ça ça pourrait vraiment être stylé. Quatrième raison, Paris comme ville principale. Choisir la France récompenserait la très grosse communauté francophone de fans de Rockstar et leur ferait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'après les États-Unis, les personnes qui achètent le plus GTA, c'est la communauté française. Alors Rockstar a très très souvent remercié la communauté américaine en leur offrant des opus dans des villes vraiment magnifiques comme Los Angeles avec GTA V, Miami avec GTA Vice City, et pourquoi pas pour une fois remercier la communauté francophone en faisant venir GTA à Paris. C'est une très très bonne idée et moi ça me plairait vraiment. Vous imaginez jouer à un jeu où vous pouvez même aller devant votre maison, ça serait vraiment un truc de dingue, j'ai toujours imaginé avoir un jeu comme ça. Et la 5e raison,
C'est une raison que j'ai citée la semaine dernière, mais c'est la richesse de Paris, avec sa richesse gastronomique ou même sa richesse avec les bijoux ou même les banques. Il y aurait vraiment de quoi faire à Paris, surtout avec les braquages de GTA V importés sur GTA 6, mais version améliorée. Imaginez un petit peu le carnage qu'on pourrait faire. On pourrait faire vraiment de trucs magnifiques, pourquoi pas faire un truc de braquage à la Tour Eiffel. Enfin bref, il y a tellement d'idées qui sont faisables et inimaginables que ce serait vraiment super cool. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Je vous invite à me donner tous vos avis dans l'espace commentaire. Si vous avez trouvé d'autres raisons pour que Rockstar fasse GTA 6 à Paris ou même en France, n'hésitez vraiment pas à le dire dans l'espace commentaire. Je pourrais un peu répertorier toutes les raisons de la communauté cette fois-ci et en faire une vidéo la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous proposer encore une nouvelle fois un petit sujet sur GTA 6. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.